déjà c'est une tradition. Mes voeux, les voeux aussi de tous nos compatriotes, nos concitoyens, c'est donc de rendre perpétuelle cette cérémonie de lecture de Coran. Quand nous évoquons lecture de Coran, ce sont des prières qui sont formulées pour que les choses avancent, progressent de l'avant, pour que aussi tous les vœux et toutes les prières soient exaucées par vraiment Dieu. Donc, en tout cas, toutes nos prières, c'est faire en sorte que, en tant que programme, que le monsieur le président donc, a présenté à l'ensemble des Sénégalais qui lui a valu sa réélection, que ses voeux soient exaucés. Pour que le Sénégal soit un pays émergent, pour que encore tous et toutes puissent vivre aisément dans la communion et dans la ferveur. Un hommage à Golbert Diagne, au doyen Golbert Diagne, pour cette belle initiative, et je prie Dieu pour que Golbert puisse avoir une très longue vie, mais aussi une santé de fer. Au début, à ses débuts, il n'y avait que quelques personnes. Aujourd'hui, c'est des milliers et des milliers de personnes qui convergent ici, sur cette place donc, des cimetières, pour prier pour le Sénégal et pour la paix et pour la prospérité. C'est vrai que les cimetières marmiales sont dans un état de remplissage très avancé, puisque pratiquement c'est plein. J'en avais discuté avec l'administration territoriale pour un espace réservé pour de nouveaux cimetières. Je pense que nous avons trouvé de l'espace vers Ngalel, ou peut-être un petit peu donc, entre la frontière entre la commune de Saint-Louis et la commune de Gandong, pour un espace beaucoup plus élargi. Normalement, cela ne devrait pas poser problème. Un plan d'aménagement est prévu. Et certainement, donc, d'ici quelques mois, nous allons trouver notre cimetière clôturé et qui va accueillir beaucoup plus d'espace que ce présent cimetière.